Mondial Sport leader de l'équipe au Sénégal, nous allons proposer de nouveaux produits. Maillot basket, maillot basket, des ballons, des gants. Mondial Sport vend tous les articles de football, même les chemises, donc training, même les mocassins, les play-jay, trophées pour les équipes naïtan aussi, des jeux de maillot. Tout est à Mondial Sport, leader de l'équipe au Sénégal. Nous avons aussi short, short c'est à 7000 francs l'unité. Maintenant, si vous voulez en gros, il peut y avoir des remises ou bien des réductions. Donc, ça, c'est IPTV, Mega, Mouinonou. Télé internet 8000 chaînes à 39500 l'année n'hésitez pas c'est au bangui donc d'ordre de marée Ligue des Champions bi kan baye ñeu coupe du monde baye ñeu 8000 chaînes fou les next année match c'est année lu ngeen bëgg c'est avec Satek IPTV Mega contactez leur numéro pour pouvoir vous procurer votre Satek IPTV Mega. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport Dom Gagne Ngaye Warul Tit Warul Ragal dimanche 19h dimanche 19h Diapolène 90.7 7 TV, la radio 7 TV. Donc, nous avons invité Grégoire. Donc, je serai l'invité donc, de la 7 TV le dimanche 19h à la fréquence 90.7. Donc, à ne pas rater. Donc, nous sommes en 2022, novembre, mois et décembre. Janvier, on démarre la CAN. Donc, il faut se dire que nous avons eu un barrière barrière. Dès mon 2019, il risque fortement de ne pas disputer la CAN 2022. Donc, Gassama, Sané, Salif, Wage Moussa, donc CV, Henry, Nyan Mbaye, donc sont des joueurs qui faisaient partie et qui étaient titulaires. L'ami Gassama titulaire, Moussa Wage titulaire, donc face à la Tanzanie et face donc, à l'Algérie. Donc, Salif Sané, joué en finale, joué en premier match, joué en finale. Henry CV, joué en match, Barré, Mbaye aussi, il a été titulaire, attaquant numéro 1. Donc, c'est des joueurs d'une boque. Donc, sauf cataclysme, nous ne l'avons pas, mais à 90% d'une jouée, la CAN 2022. Gassama et CV, c'est un problème avec le club. Gassama, avec la fin de son contrat avec Gorsepe, il n'a pas réussi à donc, renouveler ou bien à trouver un autre club. Moi, actuellement, il est sans club. Et Gassama, nous prenons c'est un cadre de latin depuis CAN 2015. Il est là. Il fait partie des anciens de l'équipe nationale du Sénégal. Mais jusqu'à présent, nous avons club, donc il faisait partie de l'équipe type de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais sans club, on ne peut pas l'appeler. Amou sans club, amou club sans dit Tokiban. Mais Gassama amou sans club pour mener jouer, donc il n'est pas compétitif. Donc Mota, donc Gassama ne va pas aller en Coupe d'Afrique des Nations. Donc de son côté, Henry CV aussi devrait également manquer le rendez-vous. Donc vraiment, meneur de jeu le jeu en Égypte, 6 matchs, dont 5 titularisations. Donc Henry CV, j'ai eu 6 matchs lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations pour 5 titularisations. C'est pour dire qu'il a été un acteur majeur donc, de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2020, donc 2019 pour le Sénégal. Mais Henry CV est un très bon milieu de terrain, capable de bien tirer les coups de pied arrêtés. Mais il ne sera pas de la partie. Parce qu'avec la fin de son contrat du côté de Newcastle à 31 ans, donc Henry CV, il n'a plus rejoué. Il n'a plus été convoqué depuis la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'à mon club, il n'a pas joué avec Newcastle. Diemoul ou prêt, ou Diemoul ou un nouveau club, donc c'est le statu quo. Donc, comme moi aussi, à mon club, nous nous avons, donc Henry CV va arrêter la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Wage et la Salif Sané, nous sommes en défense. Salif Sané a une grave blessure au genou. Après, depuis lors aussi, il est perdu. Mais avec Salif 04, c'est difficile de le voir sur la feuille de match. Donc, Salif Sané aussi, mon équipe nationale, je pense que mon élève croit. Par des ans, il va parler. Donc Salif Sané est sur la décadence. Et avec l'émergence des papes Abou Cissé, Abdou Diallo Niolène, Ablaye Seck, Ousmane Ba, ça sera difficile pour Salif Sané de revenir jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. Benen grand absent binaram, c'est Moussa Wage. Moussa Wage, depuis sa vilaine blessure avec le PAOK Salonique en décembre 2020, Moussa Wage n'a pas encore même réalisé un entraînement collectif. Donc Moussa Wage, nous équipe nationale, nous Coupe d'Afrique des Nations, on est encore courant. Donc il ne sera pas de la partie. Donc ça c'est très clair. Donc actuellement, on est Cheikh Kouyaté, des femmes dépendantes dans l'axe, Ablaye Seck Moufi, donc Alcio Moukoyo, Ousmane Ba Moukoyo, nous avons aussi Papa Boussissé, il y a Koulibaly, il y a Abdou Diallo. Donc il y a ces joueurs-là qui vont essayer donc, de gérer l'axe des Lions du Sénégal en absence de Salif Sané. Benen jour, c'est Mbaye Nia. Je vais me battre. Revenir à la compétition pour le Mondial 2022. Parce que je sais que la CAN, c'est trop court. Donc, Mbaye Nia ne faut pas disputer la CAN. Parce que tant est le reprendre la compétition avec Bordeaux. Donc, double coup de but. Il y a beaucoup de mythes dans les jambes. Et, or, on est à 2 mois de la CAN. Donc, ça sera trop court pour Mbaye Nia. Donc, Mbaye Nia aussi, maintenant,
effacer ci bop bi l'idée de dissocier une carte mom sa xamna ko mo tax néna muy wadjal mondial mais amna joueur yo xamné comme Lys Moussé Mendy mom néna je veux disputer la carte d'un vendeur Lys Moussé l'attaquant de Sheffield United ancien joueur du Havre donc vraiment mom déclarons sa flamme mais buñ démé ba kay wo mu am blessure après covid bi ñeu blessure après lolu mo xawa yaax ça venu en équipe nationale parce que Alice gennou ci presse bi wax né wax na ak papa mais Lys Moussé il est revenu titulaire kéro rek def na doublé donc c'est un très bon joueur qui s'entend bien avec Eliman Diaye la pépine montante du football sénégalais du côté du donc du championnat anglais deuxième division avec Sheffield United donc ñaar joueur yoy donc Alice c'est donc war na gëna baye xel parce que sont des joueurs d'avenir mais Lys Moussé mom Eliman Diaye gennou ci presse bi wax pour l'instant mais Lys Moussé mom waxona bu yag né dafa bëgg jouer Sénégal té genn na récemment né je veux disputer la CAN 2022 mais xamna né mom sax ça sera difficile parce que Habib Diallo donc favorisé mo fa Boulaye Dia ñañ ñu ci banni xaar ay Makhtar Gueye Ibrahima Niane ñoo ñep ñuy xaar donc Lys Moussé ça sera difficile pour lui d'accrocher le wagon pour donc 2022 mais tout peut arriver ouais Eliman Diaye et Pape Gueye tout peut arriver à la dernière minute parce que CAF il prévoit la CAF prévoit de rallonger la liste de 23 jours à 28. Donc au lieu que nous ayons 23 jours, nous ayons 28 jours avec Covid break, donc tout avec tout ce que ça implique. Donc il y a de fortes chances nous pousse que 28. Donc Alice disait au lieu que nous convoquions 23 jours pour la CAN, nous convoquions 28 jours. Donc on a une autre chance. Il y a une journée nous menons rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. On a complété la liste des 28 joueurs parce que 23 parce qu'Alice disait on a une idée des 23 jours qui m'auraient au Cameroun. Donc 5 jours, buñ ko ci toftalé amna joueur yo xamné war nañu mëna am 500 comme genre Lys Moussé donc ñu Moussa Ñakaté aussi war nañ ko baye xel donc Ibrahima Niane Lamine Gueye Ndiaga Yadd ñoo ñep sont des joueurs capables de d'intégrer la dernière et qui sont dans l'antichambre Eliman Diaye aussi c'est un très bon joueur Boga Camara on en parle de même que Pape Gueye donc je pense que la liste est longue joueur yu bëgg jouer équipe nationale bayna donc liste buñ ko défé 28 donc joueur yo comme Lys Moussé mi nga xamné déclarer sa flamme au Sénégal pourrait Alicisé mu koy baye xel donc pourrait donc rejoindre l'équipe nationale du Sénégal mais ça serait un peu compliqué donc pour donc Lys Moussé Mendy ben inquiétude bi ñu am moy sur Sabaly Sabaly ba légui jouéul ben match officiel donc capable de jouer à droite comme à gauche Sabaly 28 ans pourrait disputer la prochaine CAN s'il retrouve vraiment du temps de jeu d'ici décembre avec le petit Séville parce que Sabaly il est blessé depuis longtemps et depuis lors Sabaly ñëwaatugul jouéul presque ben match Liga. Donc vous toquez 3-4 mois sans jouer, vous pouvez dire que vous avez donc ça sera compliqué. Donc Alice, il est en face à casse-tête du Paris. Déjà, Abdou Diallo, Paris, remontadana. Donc le PSG vient de s'imposer face à Lille. 2-1. Donc, alors que Jonathan David m'a mené 1-0. Après Marquinhos Douel, avant que donc, Di Maria ne scelle. Donc vraiment, le résultat du match, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Mais il faut dire une chose, Abdou Diallo encore n'a pas joué. Abdou Diallo jouait. C'était Juan Bernat m'a joué. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué pour donc, le Sénégalais. Nuno Mendes m'a joué remplaçant à la place de Dagba. Donc Bernat jouait au match parce qu'il revient de blessure. Donc Nuno Mendes m'a remplacé Bernat. Dagba a remplacé Thilo Kerrer. Donc c'est pour dire qu'Abdou Diallo donc, actuellement doit avoir temps de jeu. Il doit avoir temps de jeu d'ici la CAN. Donc sur les 8 derniers matchs, voilà, sur les 9 derniers matchs, 2 titularisations là. Il y a un match qui est bari, jouer ou un bout de match là. Donc c'est compliqué. Donc il est remplaçant, il est qui bande tout sur le top. On a aussi cassette pour Alice Cissé. Abdou Diallo, Taï, gagne un match. Taï, war dem CAN. Donc il a beaucoup de choses, beaucoup d'équations. Il a Alice Cissé, on a comment régler. Donc on a réfléchi à la bouba. Donc avant le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc côté Europe, FC Barcelone, quand on est remplacé, Ronald Koeman dakh nañ ko parce qu'il a fait une indemnité 6 millions d'euros biñu signé parce qu'il a quitté Pays-Bas avec 12 millions d'euros presque 18 millions d'euros lañ ko nara fay donc gis nañ aussi Barça ñi ciblé Xavi mais Xavi peut gérer l'avenir de ce Barça actuellement le Barça on parle de Koeman certes il a fait des choix discutables mais le Barça manque de ressources d'argent et de joueurs de talent donc il faut que ñom ñu jël sen temps défer wat parce que depuis le départ de Guardiola amna 7 entraîneurs yu ñew ben entraîneur mo ci xaw prouver mo ci prouver sax moy Lucien Enrique mo def triplé en 2015 avec la MSL sinon ay en entraîneur yep ay problème lañ am Tito Vinal Villanova mom ñewna mais après dafa mujjé donc décédé donc Villanova Gérard Martino ñew donc ensuite nous nommé ko mais
il n'a pas prouvé. Nous d'accord. Luis Enrique, il a gagné. Donc vraiment avec MSN 2014-2015, il a été exceptionnel. Il a presque tout gagné. 2017, nous avons remonté à Paris, nous éliminons. Après nous sommes. Donc Ernesto Valverde, il n'a pas trop convaincu. Qui que c'était nous. Donc mon dernier secours fait côté fermement, nous on a coca sauvé. Ancien donc entraîneur de Betis Séville, nous indiquons, mais il n'a pas su tenir donc l'institution Barcelone. Ensuite nous indiquons Ronald Koeman, l'incompris. Bon, il s'est pas compris. Déjà discours bâcle, choix bâcle, interview bâcle, réaction bâcle. Donc Koeman et le Barça, c'était pas l'amour parfait. En tant que joueur, il a remporté la Ligue des Champions, la première de Barcelone en 1992, mais en tant qu'entraîneur, donc vraiment la greffe était très difficile à gérer. Actuellement, Sergi Barjuan Mofane, donc moi, remplacé, qui dit Ronald Koeman, moi, en réserve. Normalement, généralement, non, en réserve, moi, gérer intérim. En attendant, pourquoi pas, l'arrivée de Xavi. Mais est-ce que Xavi, dit, ne gérer le FC Barcelone? En tout cas, c'est un monument du FC Barcelone, def na preuve avec Al Sadd. Mais est-ce qu'actuellement, la situation du FC Barcelone, Xavi mon ci dara? Réponse, dans quelques semaines, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, Barça a un deal temps de forward. Parce que nous voulons sortir, retour au plus haut niveau des gagnants.